la mer Égée. Une flotte immense fend l'écume. Une flotte comme jamais personne n'en vit, ni mortel, ni dieu. Elle porte la plus grande armée jamais rassemblée, l'armée des Grecs. Les guerriers les plus redoutables sont réunis, ainsi que les rois de toute la Grèce. Achille, Ulysse, Agamemnon, Ménélas et même le vieux Nestor. Les boucliers scintillent sous l'éclat du soleil. Déjà, on entend la terrible rumeur de la bataille. Cette formidable armée fait route vers Troie, la cité aux hautes murailles. Troie, la cité du roi Priam, défendue par ses deux fils, Hector et Paris. Paris, celui par qui tout est arrivé. La voix de Zeus fait trembler l'Olympe. Elle résonne dans le palais des dieux, terrible, assourdissante. Zeus exige de savoir qui est responsable de cet embrasement. Zeus est le dieu des dieux. Il commande à tous. Ceux qui sont et ceux qui furent. Jadis, au terme d'un combat effroyable qui dura des années, il a anéanti les dieux rebelles. Et tous ceux qui se sont crus plus rusés que lui sont désormais enfermés dans le Tartare, la région la plus profonde des enfers. Ce qu'il désire plus que tout, c'est la paix, chez les hommes comme chez les dieux. Zeus a convoqué tous les dieux de l'Olympe. Ils sont 12. Poséidon, son frère aîné, règne sur les mers et les océans. Hadès, le cadet, est le souverain des enfers. Son fils Apollon est le dieu de la lumière. Sa fille Athéna est la déesse de la ruse et de la raison. Ses autres fils, Arès et Hermès, sont respectivement dieu de la guerre et dieu des voyageurs. Aphrodite, née de l'écume et du ciel, est déesse de l'amour et de la volupté. Tous ont juré allégeance à Zeus. Tous redoutent ses colères. Tous contestent son pouvoir. Zeus est furieux. Il brandit l'égide, cette arme redoutable qui déclenche le tonnerre et les éclairs, terrifie les mortels et les immortels. Il scrute chaque dieu. Il veut savoir qui est l'auteur de l'inévitable chaos qui se prépare à déferler sur le monde. Mais tous se taisent et baissent le regard. Soudain, Héra, l'épouse de Zeus, pointe son doigt vers Aphrodite. C'est elle qui est la cause du drame qui se prépare. Elle seule.
Les autres déesses, qui n'ont jamais porté Aphrodite dans leur cœur, confirment. Depuis toujours, elles détestent cette déesse qui sème partout les graines de l'infidélité, prive d'amour les uns, rend les autres fous de passion. Et elle jalouse ses formes trop parfaites. Par le passé, Aphrodite avait provoqué un scandale sur l'Olympe. Elle avait séduit le dieu de la guerre, Arès, au nez et à la barbe de son légitime époux, Héphaïstos. Prise au piège, elle avait été bannie de l'Olympe. Et elle avait juré qu'un jour, elle se vengerait de cet affront. Oui, Aphrodite a déclenché cette guerre. Tout a commencé quelque temps plus tôt. Lorsque Paris, le fils du roi de Troie, menait l'un de ses nombreux troupeaux sur les pâturages du mont Ida. Ce jour-là, trois femmes viennent à sa rencontre. Elles sont toutes les trois d'une beauté à couper le souffle. Mais laquelle des trois est la plus belle? Voilà ce qu'elle demande au jeune Paris. Elle le somme de choisir. Paris est subjugué, mais surtout déconcerté. Il s'avoue incapable de trancher. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces trois femmes sont trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Et que la veille, alors que les dieux étaient réunis pour festoyer, Eris, la déesse de la discorde, que nul n'avait conviée, Eris avait fait éruption et jeté sur la table une pomme. Une pomme d'or. Sur cette pomme figurait une curieuse inscription. Pour la plus belle. Tous les regards s'étaient naturellement tournés vers Aphrodite, car nul n'imaginait rivaliser avec la fulgurante beauté de la déesse de l'amour. Aphrodite s'apprêtait à se lever lorsque deux autres déesses se dressèrent pour saisir la pomme. Héra, sœur et épouse du roi des dieux. Beauté froide, mais éblouissante. Et Athéna, fille de Zeus. Beauté violente, mais étincelante. Aphrodite, Héra, Athéna. Des trois déesses, laquelle sera déclarée la plus belle? On demanda l'avis du maître de l'Olympe. Zeus, n'est-il pas fin connaisseur? Lui dont on ne compte plus les conquêtes.
Elle est longue, la liste de celles qui ont succombé à ses charmes. Ou à ses sortilèges. Mais Zeus refusa d'arbitrer. Il connaît le tempérament frondeur et la haine réciproque que se vouent les trois déesses. Il se veut prudent, refuse de prendre parti. Il décide que le choix doit revenir à quelqu'un dont l'impartialité serait totale. Pourquoi pas un mortel ? Il choisit alors celui qui passe pour le cœur le plus pur de tous les mortels, le plus idéaliste d'entre eux, Paris, fils de Priam et d'Hécube, prince de Troie. La pomme d'or, devenue pour les dieux pomme de la discorde, sera donc déposée dans la main innocente d'un simple mortel. Héra, toise Paris, et parle ainsi. Paris, si tu me désignes comme la plus belle, je te donnerai un royaume comme nul mortel n'en a jamais possédé, et sur lequel tu régneras en seul maître. Tu seras le plus grand roi que la terre ait porté. Paris, ravi, s'apprête à désigner Héra. Mais aussitôt, Athéna s'interpose. Paris, si tu me désignes comme la plus belle, je te rendrai à jamais invincible au combat. Nulle épée ne te blessera, nul javelot ne te transpercera. Tes ennemis redouteront ton nom, et la victoire toujours sera tienne. Tu deviendras le plus grand héros que la terre ait porté. Paris, conquis, est sur le point de désigner Athéna. Lorsqu'Aphrodite, d'une voix enjôleuse, lui dit « Paris, si tu me désignes comme la plus belle, alors je t'offrirai la main de la plus belle femme que le monde ait jamais vue. Tu seras le plus grand amant que la terre ait porté. » Paris, sans hésiter, offre la pomme à Aphrodite. Aphrodite dénoue sa ceinture. C'est une ceinture au pouvoir magique qui rend irrésistible quiconque la porte. Elle l'offre à Paris. Quelque temps plus tard, le roi Priam envoie son fils Paris en mission auprès du roi de Sparte, le puissant Ménélas. Paris prend la mer et arrive dans la cité grecque. Mais une ombre le suit, celle d'Aphrodite. À Sparte, Ménélas accueille Paris avec la chaleur et le respect que l'on doit à un prince. Il l'invite à sa table, lui sert les plats les plus exquis, arrosés des meilleurs crus de Grèce. Sa femme est à ses côtés. Elle s'appelle Hélène. Hélène de Sparte. Elle est
de toutes les créatures mortelles que la Terre ait comptées, la plus belle. Elle fut aussi la plus convoitée. Les princes de toutes les cités demandèrent sa main. Son père, Tindare, l'offrit à Ménélas en faisant prêter serment à tous les autres prétendants de leur porter secours, à elle et à son époux, quoi qu'il leur arrive. Ménélas annonce qu'il doit quitter Sparte pour quelques jours. Il n'a donc rien vu. Il n'a rien perçu des regards brûlants que s'échangent Hélène et Paris. La ceinture magique offerte par Aphrodite produit admirablement ses effets. Le soir même du départ de Ménélas, Paris adjure Hélène de tout quitter et de le suivre chez lui, à Troie, pour y devenir sa femme. Hélène n'offre aucune résistance. Elle est ensorcelée. Et Paris l'est aussi. Dans leur insouciance, entièrement livrés à leur passion, les deux amants n'imaginent pas un instant les terribles conséquences qui découleront de leur union. À son retour, Ménélas cherche son épouse. Il fouille chaque pièce, chaque parcelle de jardin, les cours de son palais. En vain. Il interroge les serviteurs, il menace. Personne n'ose lui dire la vérité. C'est une vieille servante qui, finalement, lui avoue que la belle Hélène s'est enfuie avec ce jeune prince que l'on avait si aimablement reçu. Le roi de Sparte laisse libre cours à sa colère. Pareil affront ne peut rester impuni. Ménélas part immédiatement pour Mycène. Là-bas règne le roi le plus respecté de toute la Grèce, Agamemnon, son frère, le roi des rois. Agamemnon a réussi à soumettre, par la force ou par la ruse, toutes les cités grecques. Toutes lui font allégeance et lui versent un tribut. Toutes, sauf une. Ménélas plaide sa cause auprès de son frère. Il a été humilié par le Troyen. Il exige réparation. Il faut lever une armée, partir en guerre contre Paris et ramener Hélène. Agamemnon écoute Ménélas avec attention, mais il hésite. Certes, son frère est l'offensé, mais c'est aussi un prince qu'il juge faible s'il n'a pas su retenir son épouse. Il est la risée de tous les autres princes grecs. Il y a offense, bien sûr. Mais Troie est puissante. C'est la plus riche, la plus opulente de toutes les cités de la Terre, dit-on. Elle contrôle le passage qui mène vers l'Orient et ses fabuleuses richesses. La tentation est grande de s'en emparer. Mais ces remparts sont inviolables. On dit qu'ils furent bâtis par les dieux Apollon et Poséidon en personne, et que nul ne peut les renverser. Une simple ambassade, envoyée à Troie pour réclamer réparation et ramener Hélène, devrait suffire à clore l'affaire. Le roi des rois hoche la tête. Il se fait tard
il va réfléchir. Zeus a écouté attentivement Héra, qui vient d'accabler Aphrodite, affirmant que ses sortilèges sont seuls responsables de la guerre. Mais il n'y croit qu'à moitié. Il connaît Agamemnon. C'est un roi sage. Oui, une simple ambassade auprès du roi Priam aurait suffi à éviter cette guerre. Déplace-t-on des milliers d'hommes sur des milliers de navires dans le seul but de venger un mari trompé? Pour une seule femme, fut-elle la plus belle? Zeus pose sur Héra et Athéna un regard dans lequel grandit une pointe de soupçon. Aphrodite a sans nul doute usé de ses sortilèges pour remporter la pomme d'or. Mais Héra et Athéna n'ont pas dû pardonner l'affront, l'humiliation de ne pas avoir été choisie par le jeune prince. Comment ont-elles pu influencer Agamemnon et le convaincre de partir en guerre? La nuit est tombée sur le palais d'Agamemnon. Invisible aux yeux des mortels, Héra s'adresse à Athéna. Laisserons-nous un mortel humilier des déesses? Laisserons-nous Aphrodite nous narguer ainsi? Athéna écume de rage. Elle aussi entend venger cet affront, se venger de l'homme qui l'a commis. Et du dieu qui n'a rien fait pour l'empêcher, Zeus, rajoute Héra. Nous exciterons entre Grecs et Troyens une haine funeste jusqu'à ce que Paris meure d'une mort affligeante, décident les deux déesses. Athéna se penche alors sur Agamemnon. Elle murmure à son oreille. Songe à Troie, Agamemnon, la seule ville qui te résiste, la seule ville qui te défie. Sans Troie, l'empire que tu as créé est dérisoire. Écoute-moi, Agamemnon. Je suis le messager de Zeus. Il t'ordonne d'appeler aux armes tous les Grecs. L'heure est venue de t'emparer de la vaste cité des Troyens. Sa conquête sera l'apogée de ta gloire. Les dieux de l'Olympe n'ont plus sur ce point d'avis qui diverge. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'Héra. Prends Troie et détruisant chaque muraille. Ainsi, tu entreras dans l'histoire. À l'aube, le roi de Mycène a pris sa décision. L'injure faite à Ménélas est une injure faite à la Grèce, affirme-t-il. Il faut sans tarder réparer l'outrage. Que l'on rassemble l'armée, la plus puissante de toutes les armées. Elle franchira les mers et anéantira Troie pour rendre Hélène à son légitime époux. Les uns après les autres, les rois de toute la Grèce répondent à l'appel de leur suzerain. Ils viennent de toutes les cités. Tous sont prêts à livrer bataille. Tous, sauf deux d'entre eux. Deux hommes dont le destin pourtant fera basculer cette histoire. Achille et Ulysse.